Yo, salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, eh bien, on va parler un petit peu du nouveau Samsung Galaxy Fold 2. Alors, on va surtout parler de l'écran, hein, des écrans du téléphone, parce que c'est le principal atout du smartphone. Alors, le Samsung Galaxy Fold 2 disposerait d'un écran pliable de meilleure qualité que le Galaxy Fold 1 qui a été vendu à la fin de l'année 2019, si je dis pas de bêtises. La production de ce nouveau modèle ne débutera qu'en juillet 2020, si tout va bien encore une fois, parce qu'il y avait qui se passe en ce moment, évidemment, on a connu des jours meilleurs, hein, je vous fais pas de dessin, mais on a déjà des infos sur sa future configuration. Alors ici, on va encore une fois, je le répète, parler des écrans. Moi, j'ai pas d'infos sur les processeurs, sur les trucs comme ça. Ce sera très similaire à ce qu'on a actuellement, je pense. Il y aura peut-être des améliorations, c'est possible. Samsung a fait le choix d'utiliser le même type d'écran qui était présent sur le Samsung Galaxy Z Flip, l'écran interne qui se plie donc. Donc ce sera un écran avec une dalle en verre fin par-dessus, d'une épaisseur de 30 micromètres contre 100 micromètres pour un écran classique en verre trempé. Donc c'est très fin, 30 micromètres, hein. C'est trop fin, je pourrais pas vous représenter avec mes doigts. Écran en verre fin donc pour remplacer l'écran actuel qui était en polymère, en plastique quoi. Hein. Bah évidemment, faut que ça se plie. Ça me fait vraiment marrer les vidéos que je mets à l'arrière à chaque fois. Oui, c'est le Stade de France ça, c'est... Bah, faut bien décorer, hein. Mais j'ai pas de décoration chez moi, donc je mets... des petites vidéos comme ça, c'est mes vidéos, c'est à moi, hein. C'est à moi. Vous les retrouvez sur ma chaîne YouTube, hein, si vous voulez. Le nouvel écran du Samsung Galaxy Fold 2 sera plus robuste, mais il ne sera pas plus solide. C'est un énorme contresens, hein. Mais en gros, l'explication est toute simple et elle tient en quelques mots. Bah, l'écran est en verre et du verre qui se plie, je vous fais pas de dessin, hein, c'est pas excellent. Alors en fait, l'écran va surtout mieux résister aux rayures et c'est ça qui est pertinent, qui est important sur ce genre de téléphone qui se plie, qui se met dans la poche. Souvent, vous avez des clés, des trucs dans votre poche et ça passe en fait dans le. Quand le téléphone est plié, il y a toujours un jour entre le au niveau de la charnière, il y a toutes les saloperies qui passent à cet endroit-là. L'écran en verre permettrait justement de limiter les rayures, pas de les éviter, attention. Parce que l'écran actuel en plastique, en polymère, la moindre rayure, le moindre truc, c'est fini. Hein. Donc, écran en verre fin pliable. Ah, ça, c'est... Wow. Du coup, ça engendre un autre problème sur ce téléphone. L'utilisation du S Pen, le petit stylet, sera totalement impossible. Samsung a dû se résigner à supprimer le stylet. Il sera plus fourni dans la boîte du Galaxy Fold 2. L'écran interne du Galaxy Fold 2, donc l'écran qui se plie, hein, aura une diagonale de 7,7 pouces, soit 0,4 pouces de plus que le Galaxy Fold 1 actuel. Et il y a également une autre amélioration, c'est la dalle va passer en 120 Hz. Et ça, c'est franchement bien. Alors, l'intérêt, il est où? Bah, l'intérêt, c'est que ça va réduire la latence. En fait, il y a toujours une petite latence, hein, quand vous posez le doigt sur l'écran de votre téléphone pour faire bouger une page internet, par exemple. Vous bougez votre doigt et le logiciel vous suit votre doigt, c'est toujours comme ça. Ça répond pas immédiatement, il y a toujours une légère latence, donc votre doigt monte et le logiciel suit derrière. Et le 120 Hz, c'est dû à l'affichage en fait. Le 120 Hz va venir réduire tout simplement cette latence. Ça va pas la supprimer, mais ça va la réduire. Ça fait que ça va répondre beaucoup plus vite, vous aurez une impression de fluidité et de rapidité qui sera bien plus sensible avec du 120 Hz qu'avec du 60 Hz. Alors 120 Hz, 60 Hz, c'est le nombre d'images par seconde que peut afficher l'écran. Voilà. Par exemple, là, ma vidéo est en 50 Hz, parce que c'est la fréquence européenne. Alors par contre, selon moi, hein, l'écran interne du smartphone aura toujours un ratio un peu exotique. Alors je vais vous le lire, ce sera du 11,89. Ouais, c'est accouché dehors. Donc en gros, c'est quasiment du 4 tiers. Hein. Si vous regardez, là, c'est une vidéo en 16/9. En fait, l'écran du Galaxy Fold, il est hop, un peu plus resserré comme ça. Grosso merdo. Il y aura également une mise à jour de l'écran externe. Et oui, sur le Galaxy Fold, vous savez, il y a un écran dedans, vous le pliez, et à l'extérieur, il y a un écran aussi, il y a un deuxième écran, beaucoup plus petit, mais il y a un écran. La taille de cet écran externe va augmenter. L'écran externe va passer à du 6,23 pouces contre 4,6 pouces pour le Galaxy Fold 1. Il y a vraiment une évolution au niveau de la taille. Alors par contre, ben, du fait que la taille augmente, le téléphone, lui, il grossit pas. Ben, ça va encore allonger l'écran, qui aura un ratio totalement exotique. Alors là, j'ai jamais vu des écrans comme ça. Je vais vous le lire aussi, c'est écrit, c'est du 24,9/9. C'est n'importe quoi. Là, vous avez du 16/9, et ben imaginez que là, il y a des barres noires qui s'affichent. Hop, ça écrase comme ça. Vous avez les écrans incurvés cinéma 21/9, vous savez, pour les, et ben c'est encore plus allongé, c'est 24,9/9. Là, j'étais à l'intérieur du Stade de France et c'est
on s'en fout. Et l'écran externe aura toujours un rafraîchissement de 60 Hz. Alors ça commence à vieillir par contre. D'ailleurs, il y avait plein de personnes qui avaient déclaré que l'écran externe était presque inutilisable. Alors j'irai pas jusque là, hein, mais on va dire que l'écran externe, c'est pas le premier écran que vous allez utiliser sur le téléphone. En plus, vous achetez pas le Galaxy Fold pour utiliser le petit écran externe tout malheureux. Le Galaxy Fold, vous l'achetez pour avoir un écran pliant. Donc là, vous dépliez, vous utilisez l'écran interne, et puis une fois que c'est fini, vous le repliez. Ça, c'est le futur. Oui, parce que Samsung avait décidé d'implémenter un second écran à l'extérieur du téléphone, à l'arrière, en fait, sur le dos. Un tout petit écran de 4,6 pouces. Alors pourquoi ils ont fait ça? Tout simplement, pour dépanner en fait, pour voir ses messages par exemple rapidement sans avoir à ouvrir le téléphone en clic-clac à chaque fois dès qu'on a une notif. C'est un peu chiant. Et la résolution de l'écran externe sera relativement faible. Mais c'est relatif. Et ce jour-là, je me suis dit que tout était très relatif. Parce qu'on est quand même sur du plus de 2000 et quelques pixels sur 1000 et quelques. J'ai pas la résolution en tête, mais c'est relativement faible. Personnellement, je trouve pas ça très faible. Et le Samsung Galaxy Fold 2 sera vraisemblablement présenté au mois d'août. Donc il faut attendre le mois d'août, cet été, à des prix défiant toute concurrence, mais par le bas en fait. On imagine bien que ça va être super cher. Hein. Le Galaxy Fold, il va pas être vendu à 2 euros, il sera plus vendu à 2000 euros, ouais, c'est, je vous ai vu. Donc ouais, c'est un téléphone qui est assez cher, hein, mais encore une fois, on l'achète. Parce qu'il se plie. Il y en a qui sont prêts à foutre 4000 balles dans un téléphone, donc c'est n'importe quoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. N'oubliez pas également de me suivre sur les réseaux sociaux, je vous préviens, quand il y a une nouvelle vidéo qui est en montage, qui est en upload, enfin je vous préviens tout simplement. Facebook, Twitter, Instagram, tout est dans la description. Et puis bon, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 18h, comme tous les dimanches à 18h pour une nouvelle vidéo. C'était Seb, ciao ciao. Et là j'étais dans la tour Eiffel, c'est ce qui... Oui bon ça va, mais allez voir la vidéo, c'est un vlog que j'avais fait à Paris, c'était bien. Et même en le faisant court, il faut en garder, ouais.